Salut toi. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu veux m'accompagner, bonhomme? D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Hey! Prenez ça. Par ici. Ah!
Par ici, sur le balcon. J'ai un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous. Ouais.
Franchement, j'ai dit qu'on devrait se barrer. On va pas rester ici à attendre de se faire trouver la peau. Arrête de chier. J'arrive, bande d'enfoirés! Je vais vous faire la peau, je vous préviens! Mais arrête, où tu veux qu'ils aillent? On a autre chose à foutre, merde! Vous entendez ça? Faut que j'aille faire un tour, mais quand je reviens, vous êtes morts! Hé! Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Presque. Excellent. Stone Garvey, des miliciens du Commonwealth. À votre service. Eh bien, si c'est vrai, votre aide serait la bienvenue. Comme vous pouvez le voir, on est dans une situation peu enviable. Peut-être. C'est qui ces gens? Juste des gens qui cherchent un nouveau foyer. Un nouveau départ. Je suis avec eux depuis Quincy. Lexington avait l'air bien au début. Mais les ghouls ont fini par nous chasser. Il y a un mois, on était 20. Hier, 8. Et maintenant, plus que 5. Il n'y a plus que moi, les Longs, Marcy et June. Sur le canapé, c'est la vieille Mama Murphy. Et lui, c'est Sturges. On vit dans un monde cruel. Vous croyez que je ne le sais pas? Les trucs que j'ai vus et que j'ai dû faire... Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Peut-être. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Non. Mais on a encore une idée. Est-ce que ce sera suffisant pour arrêter ces dingues? Sturges, expliquez-lui. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu. Apparemment, un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45, modèle militaire. Qu'est-ce qui rend cette armure assistée si spéciale? C'est un modèle à servomoteur interne Westech. Une fois à l'intérieur de ce petit bijou, on devient un véritable surhomme. Plus fort, plus robuste, résistant aux radiations. Et en plus, avec l'armure, vous aurez la force d'arracher le minigun du vertiptère. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez? Et je pourrais utiliser ce minigun comme... un fusil? Je vois pas ce qui vous en empêcherait. Il a une gâchette et tout le reste. Suffit de viser dans la direction des méchants et d'arroser comme un malade. Pour ce qui est de l'armure, elle est à sec. Ses batteries sont sans doute vides depuis un bon siècle. On peut la recharger. Mais dans notre situation... Je vous aiderai autant que possible. Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard d'avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire.
Du genre qu'utilisait l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on peut pas y accéder. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez, moi, je répare les trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Je l'ai déjà récupéré, votre réacteur à fusion. On est paré. Excellent. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur sur l'armure assistée et que vous aurez récupéré le minigun, montrez aux pillards qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. Bonne chance. Méfiez-vous. On a besoin d'aide et qu'est-ce qu'on reçoit? Quelqu'un qui sort tout droit de son abri? Bingo. Qu'est-ce que vous comptez faire dans votre combinaison débile? Vous videz de votre sang? Oh mon Dieu, non! Pourquoi? Pourquoi? Personnel. Michael Daly, sergent-chef de l'armée de terre des États-Unis d'Amérique. Samedi dernier, le 23 octobre, alors que nous étions en route vers Stockbridge West, notre vertiptère s'est écrasé sur le toit de ce musée. La cause de notre crash? Une IEM consécutive à une explosion atomique. Plusieurs, en fait. D'après les infos que j'ai pu dégoter, ça a sauté aux quatre coins du globe. Le copilote est mort sur le coup. Le pilote est quant à lui décédé le lendemain. Des suites Laherty et Kanawa ont été abattus par les survivants paniqués. Et puis Prosnansky s'est enfui. Je ne l'ai pas revu depuis. Aujourd'hui, c'est à mon tour de déserter. Si tant est que ce terme veuille encore dire quelque chose. Le réacteur à fusion de mon armure a grillé, donc on dirait que ma carrière de soldat est terminée. Je vais aller à Boston, à pied, pour voir si ma sœur a survécu à tout ça. Elle a un appartement sur Boylston Street. C'était Mike Daly. Bonne chance à tous. Et Dieu bénisse l'Amérique, ou ce qu'il en reste. Allez, j'ai autre chose à faire. Huh?
faites pas trop, Mama. Vous allez bien ? Ça va, Preston. Arrêtez de vous inquiéter pour rien. C'était vraiment impressionnant. Je suis content que vous soyez de notre côté. Moi aussi, Preston. On n'a jamais assez d'amis dans le Common. Écoutez, quand on s'est rencontrés, vous avez dit que ça vous faisait plaisir de nous aider. Vous avez tenu parole. Et on vous doit la vie. Alors tenez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est la moindre des choses pour vous remercier. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça fait très longtemps que les visions de Mama Murphy lui montrent un lieu nommé Sanctuary. Un vieux quartier qu'on pourrait remettre à neuf. Pourquoi vous ne viendriez pas avec nous ? Votre aide nous serait précieuse. D'accord, Garvey. J'en suis. Oh, c'est formidable. Mais votre destinée ne s'arrêtera pas là, hein ? Je l'ai vu. Le trou dans votre cœur. Ma destinée ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes une femme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Je sens l'énergie de votre fils. Il est toujours vivant. Je vous écoute. Écoutez, je sais que vous devez me prendre pour une folle. La vision est étrange et elle n'est pas toujours d'une grande clarté. Mais votre fils est là, quelque part. Et je n'ai pas besoin de la vision pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Le beau diamant vert du Commonwealth, Diamond City, la plus grande ville à la ronde. Qu'est-ce qu'il y a à Diamond City ? Sean est là-bas ? Écoutez, je suis fatiguée. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être que la vision me donnera une idée plus claire de la chose. Non, on en a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous tuer. Oh, ça suffit, Preston. Il faut bien mourir un jour, de toute façon. On a besoin de la vision et notre nouvel ami aussi. Et maintenant, en route. Sanctuary nous attend. Bon, grâce à notre camarade, on va pouvoir reprendre la route. On va aller à l'endroit que Mama Murphy connaît. Sanctuary, ce n'est pas très loin. L'endroit qu'elle connaît ? Vous voulez dire qu'elle l'a vu quand elle était complètement défoncée, oui ? Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond sans savoir où on va juste parce que Mama Murphy l'a vu ? De toute façon, du ça calme, ne peut pas être calme. Pire que... Pas la peine de s'énerver. On est tous dans le même bateau, pas vrai ? Alors, Marcy, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant ? Quelqu'un d'autre ? Dans ce cas, adjugé pour Sanctuary. Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Bien, June, il est temps d'y aller. Oh, d'accord. Excusez-moi. Ne vous en faites pas. Je conduirai ces gens à Sanctuary. Allons-y. Je vais passer devant. Restez près de moi. On est derrière vous, boss. Toujours pas à croire qu'elle a buté ce machin. C'est la première fois que je vois un de ces trucs aussi près. Il est temps qu'il soit mort.
Ça nous rappelle pourquoi on se bat. Ravi que vous ayez décidé de venir avec nous. J'aurais dû écouter Mama Murphy dès le début. C'est un bel endroit qu'elle nous a trouvé. Je pense qu'on pourrait s'installer ici, en faire notre maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça me plaisait de vivre ici. Avant la guerre. Comment ça? Avant quelle guerre? Vous voulez dire que... J'ai vécu ici. Il y a plus de 200 ans. Je me suis fait... cryogéniser, je crois. J'ai repris connaissance il y a pas longtemps. Merde! Comme une vieille goule d'avant la guerre. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui étaient cryogénisés avec vous? Juste mon fils. Quelqu'un a profité de mon état pour l'enlever. Je suis toujours à sa recherche. Merde! Je suis désolé. J'espère que vous le retrouverez. Dites-moi si je peux vous aider. Enfin! Content que vous soyez là. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai un autre service à vous demander. J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie? Je me ferai un plaisir de vous aider. C'est génial. Les miliciens auraient grand besoin de gens comme vous. Au fait... Si vous voulez nous donner un coup de main ici, adressez-vous à Sturges. Je suis sûr qu'il serait content d'avoir un peu d'aide. Hé, vous avez un instant? Je voulais vous remercier de nous avoir aidés, à Concorde. Si seulement on avait pu vous rencontrer plus tôt. Pas de quoi. Vous revenez de loin, pas vrai? Vous n'avez pas idée. En l'espace de quelques mois, on a tout perdu. Mon fils, il... Il est mort. Je connais ça. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Mais vous et moi, on est encore là, pas vrai? Il faut tenir bon. Pour eux. Vous voulez participer au travail? Je me ferai un plaisir de vous aider. Dites-moi ce qu'il vous faut. Déjà, ça nous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Ça fait trop longtemps qu'on dort par terre. Pour l'instant, le principal, c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Certaines de ces vieilles maisons ont encore l'air solides. Il y a un établi là-bas dont vous pouvez vous servir. Faites-moi signe s'il vous faut quelque chose. J'aurais dû en faire plus. J'espère que c'est qu'il y a un peu.
Hey,